Sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, sur ce nouveau Malaika que nous avons justement ensemble, nous allons parler de choses pratiques, des choses qui concernent toutes les femmes, ce qu'elles vivent au quotidien. Alors restez avec nous pour en savoir plus. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des priorités d'une jeune épouse. Justement, des priorités dans la maison, ce n'est pas toujours évident. Savoir pour le repassage, pour le ménage, comment je fais avec la cuisine, c'est vraiment un casse-tête pour les jeunes épouses. Et aujourd'hui on va essayer de relever ce challenge avec bien sûr Mama Audrey. En effet Nadège, c'est vrai que les tâches qui reposent sur les épaules des femmes, ce n'est pas évident. Mais nous allons découvrir tout à l'heure comment le Seigneur les a équipés pour cela. Voilà, exactement. Et bien sûr, maman Janine va nous donner un petit peu des points de contexte, comme d'habitude. Et puis, euh, bien sûr, Magali. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir sur le plateau notre invitée spéciale, Liliane Tézé, qui nous vient de l'île Maurice. Bonjour, Liliane. Bonjour à toutes. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement sur, sur notre plateau. Et donc justement, on parlait de l'organisation de la maison, euh, comment gérer euh, toutes les tâches ménagères au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Les jeunes épouses découvrent cette vie un peu quand elles se marient, n'est-ce pas, Maman Audrey Évidemment, ce pas, Évidemment, pas souvent… Euh, elles savent elles ont quand même une idée parce qu'elles ont vécu dans une maison elles-mêmes. Oui. mais de réaliser subitement que tout ça retombe sur leurs épaules voilà. c'est quelque chose c'est vraiment pas évident. On va rentrer dans ce détail dans un petit moment mais avant tout ça on va passer à la rubrique de Mag. Justement, Magali, pour cette rubrique, c'est pas évident de trouver des chiffres, des, des statistiques. Comment tu as fait Qu est ce Écoute, que J'ai pas trouvé énormément de chiffres en average pour être franche, mais bon, je me suis quand même documentée sur différents blogs africains où ça parle, ça cause. Et moi, j'aime bien lire tout ce qui est dit. Alors sur un blog africain, par exemple dédié aux femmes, qui s'appelle Africa Web, eh bien, il est dit que de manière générale, les femmes africaines consacrent énormément de temps au ménage, soit près de 4 fois plus de temps que leurs conjoints. Wow. Hein, donc, pour elles, c'est très important d'organiser leur maison. Et et pourquoi c'est important bah Déjà, la première chose, c'est qu'on eh s'énerve moins avec son conjoint, parce que ça peut vraiment être une source de conflit. Il faut savoir qu'en Afrique, eh bien, un des critères pour que les hommes mettent en avant pour, avoir, pour se marier, c'est que la femme soit une bonne femme de maison, une, une, bonne, de ménagère. une bonne ménagère. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti dans, dans mes lectures. Et puis aussi, ça leur permet de donner l'exemple aux enfants, surtout aux filles, qui sont appelées, je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, à être elles aussi des bonnes ménagères. Alors quand on parle d'organiser euh, sa maison, c'est vrai que ça renvoie quand même à la notion de femme au foyer euh, quelque part. Et euh, il faut savoir que c'est quand même une notion en Europe qui est de plus en plus décriée. Être une femme au foyer, c'est vraiment ringard euh, en Occident, faut dire ce qui est. Hein. Euh, maintenant oui. la femme euh, qui fait le ménage, enfin qui s'occupe des tâches ménagères, euh, voilà. Elle se sent rabaisser. Hein, Mais tout peu. à fait, on fait <laughs> plus ça. <laughs> Alors on est vraiment encore loin de ce schéma euh, en Afrique, puisque traditionnellement, et eh bien euh, dans ce continent, le rôle de la femme se joue à la maison, justement, et c'est la mission primordiale d'une femme, c'est sa mission en fait, c'est de tenir sa maison correctement. Et d'ailleurs, donc, comme je l'ai dit, c'est un critère vraiment que les hommes mettent mission. en avant. Je le répète encore, Nadej, pour toi, hein, <laughs> de savoir cuisiner, de savoir s'organiser. <laughs> voilà, c'est important. Et donc, aussi, il faut savoir qu'en Afrique, dans les pays pauvres ou en développement, la pauvreté et le poids des traditions font que les tâches ménagères reviennent. Euh, automatiquement, systématiquement aux femmes. Je suis sûr que maman Janine pourra nous le dire. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire dans, dans, le, dans les tâches ménagères euh, Eh bien, il leur incombe d'aller chercher de l'eau, oh. du bois pour le mmh. feu, de s'occuper des plus jeunes enfants, de faire la cuisine, de s'occuper euh, du ménage. Le ménage consiste en général par le balayage parce qu'il y a beaucoup de poussière, poussière en Afrique, donc oui. on balaye, on balaye, on balaye. Oui. Et il y a aussi le lavage des vêtements qui se fait généralement au à fleuve la à la main en mode euh, voilà par terre avec du savon, etc. Donc c'est quand même des... Tâches qui sont très pénibles, le repassage, etc. Ensuite, quand la femme elle a fini tout ça, parce qu'elle se lève aux aurores, il faut dire ce qu'il y a, 4 heures du matin, euh, quand elle a fini comme tout ça, elle va vendre ses légumes au marché, des légumes qu'elle a elle-même cultivés, il faut wow. le savoir aussi, où elle va vendre ses beignets, c'est souvent le cas au Congo, les, les bons beignets. Ah, au Cameroun euh, bon voilà, voilà, aussi, bon 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 aussi exactement, <laughs> qu'elle qu elle fait elle-même et qu'elle va vendre au marché. Et euh, donc, il faut savoir que la femme aussi, elle a un rôle économique, dans le développement économique alors. en Afrique, qui est vraiment impressionnant. Ouais. C'est euh, les femmes qui sont sur tous les fronts et elles sont organisées parce que moi je pense qu'elles sont vraiment organisées dans le sens où elles oui, répondent oui. à toutes les demandes. Et en Bien plus fait. celui de pas d'un qui, qui, qui porte les enfants de neuf mois et qui les tout le monde. Exactement. Wow. Et les, les élèves. Tout à wow. fait. Donc non seulement donc elles répondent aux besoins des enfants mais aussi de, de des, ma des maris qui sont mmh. très demandeurs euh, dans plein de choses et aussi de la famille élargie Merci. comme on en a parlé souvent dans les émissions de de, de, de Alors moi ce que j'ai noté euh, je vais finir par une note pas très positive mmh. mais le fait que les tâches ménagères sont tellement intensives et importantes, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont conduites souvent à abandonner l'école oui. parce que euh, elles deviennent des filles au foyer très rapidement à partir de 14 ans, il y a tellement de choses à faire mmh. et elles sacrifient comme disait cette représentante de l'UNICEF au Congo, elle dit que les filles sont souvent les premières à sacrifier mmh. des opportunités importantes pour apprendre grandir et apprécier leur enfance parce que dès 10 ans, elles sont attaquées déjà dans les tâches et ménagères. Que la tâche est trop, est trop lourde pour la mère. C'est lourd pour, pour la mère, aussi, c est c est trop pour la mère, elle a beaucoup d'enfants et sûr. donc euh, voilà un petit peu oui, ce que je pouvais ça. dire. Et puis il y a aussi cette notion que de toute façon une femme va se marier. Voilà. voilà. Donc euh, à quoi bon aller à l'école ouais. C'est être, être une toujours. femme au ouais. foyer. Donc c'est pour oui. ça aussi. Et encore il y a cette prioriser ouais. plus le, la, la scolarité aussi. ou la scolarisation des, des garçons que ouais. celle celle des jeunes filles mm -hmm. malheureusement. En tout cas, bon, je veux rappeler que la parole de Dieu, elle dit, elle ne dit pas que l'homme qui a trouvé une femme bonne au ménage a fait une bonne affaire, la parole ah. de Dieu dit que l'homme qui a trouvé une femme vertueuse ah. a trouvé le bonheur. C'est quoi de me la femme préciser, préciser, vertueuse C'est qu quelqu'un qui a cœur pour le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui, qui, qui veut Dieu. servir le Seigneur, qui a une crainte de Dieu exactement oui. dans son cœur. Cet homme-là, il a trouvé le bonheur. Et moi, je conseillerais fortement aux frères de chercher ce genre de femme. D'abord. Je... Fort heureusement que mon mari n'a pas cherché une femme au ménage. <laughs> Il aurait été déçu. hein Alors, je... Il ne m'aurait pas choisi, hein, définitivement. Mais finalement, il faut dire que il euh, y a toutes les valeurs à remettre en question. Bien sûr. Puisqu'on ne choisit pas une femme euh, pour qu'elle euh, soit bonne, entretenue dans ma maison. C'est bon, ce sont des bonnes choses. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais quand même la un première plus. chose, quand je connais le Seigneur, c'est bon pour les gens du monde. Mm -hmm. Mais quand nous sommes chrétiens, qu'on mm -hmm. connaît le Seigneur et qu'on a un cœur pour l'Église, un cœur pour le Seigneur, on cherche quelqu'un qui va être avec nous, mm -hmm. nous soutenir et nous aider et qu'on puisse ensemble servir le Seigneur, Merci. même si de temps en temps, mm -hmm. la maison n'est pas aussi propre qu'elle devrait être et qu'on a mangé un peu moins qu'on aurait dû manger et qu'on a eu à manger peut-être du pain et du mm -hmm. beurre pistache oui, euh, et cacahuètes qu'on dit en, 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 en Afrique, oui. mais au moins... Quelqu'un qui comprend les choses de l'esprit ouais. et qui est un soutien qui va emmener la présence du Seigneur dans la maison. Mais Justement, nous, oui. aujourd'hui, c'est vrai tout ça, Mama Audrey, mais aujourd'hui, on va parler des choses pratiques. Oui, c'est sûr. Parce que, mine de rien, une maison, euh, on va dire, sale, euh, qui n'est pas, pas rangée, c'est oui, désagréable. Non, je, je, je ne dis pas ça. Et ça crée des conflits. Justement, quelles sont, quelles sont les, les conséquences d'une désorganisation de la maison ben, Écoute, si la femme est dépassée, comme euh, dit Janine, c'est mm -hmm. sûr que, bon, au départ, Fort heureusement, le couple ne commence pas avec des enfants. Oui, c'est vrai. Ça commence vrai. à deux. Oui. Euh, sans compter un famille élargie, ça je ne sais pas, oui. mais ça commence à deux. Donc déjà, la femme a l'occasion de commencer, à apprendre à gérer son foyer, puisque si elle n'est pas organisée pour deux. Mm -hmm. Comment est-ce qu'elle va faire pour s'organiser pour deux, pour quatre, pour 5, pour 6 Ce sera difficile. Mm -hmm. Et ça va emmener de la pression, mm -hmm. ça va emmener du gaspillage, Ça va, on va cuire pour 8 alors qu'il y a 6 qui mangent, oui. des trucs qui vont rester, qui vont pas pouvoir se conserver, qu'on va pouvoir jeter. Mm -hmm. C'est du gaspillage, c'est de la pression et ça emmène des tensions. Inutile. Inutile. Mm -hmm. Donc je pense que l'organisation, une femme qui a réfléchi, puisque c'est ce que Tite nous dit, mm -hmm. que, que les, les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs mm -hmm. enfants, mm -hmm. à se montrer réfléchies. C'est-à-dire, elles ont toute la faculté de réfléchir et de voir comment s'en sortir le mieux, mm -hmm. de s'organiser de façon à ce que. La tâche soit moins lourde. Bien sûr. Ma maman Janine veut peut-être réagir oui, par une, rapport à ça. Il y a une transmission de, de fêtes, hein, voilà. euh, de génération en génération, entre les mamans et leurs euh, leur filles, mm -hmm. puisque de toute façon, elles sont quelque part. Euh, ensemble. Ensemble, et elles voient la maman faire, et la maman va de toute façon lui dire, au moment mm -hmm. de se marier ou un peu, un peu avant, voilà comment tu peux euh, organiser, euh, organiser ta maison, voilà comment tu peux avoir de l'aide. Mais ce que, ce que moi je voulais relever, Nadège, c'est mm -hmm. qu'en Afrique, euh, en tout cas au Congo, Congo, tout va tourner autour de la, de la nourriture du mari et du repas de la famille en fait. Oui. Parce qu'on est quand même dans un contexte où... Euh actuellement, il y a une situation qui est vraiment ravagée et il y, mmh. y a une pauvreté profonde. Et la, la, la préoccupation de la maman, quand elle se lève le matin à 4h pour aller chercher de l'eau, c'est de nourrir. 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 Oui. nourrir ses enfants, c'est de nourrir son mari, c'est de nourrir sa petite maisonnée. Mmh. Mmh. Et tout va tourner autour de ça. Donc, quelque part, il y a vraiment une organisation qui va se mettre en place, parce que comme elle a peu de moyens, mmh. elle va devoir faire des choix mmh. Mmh. Dans, dans ses courses. Elle va prioriser, par, par exemple, deux jours on va manger ce qu'on appelle chez nous du made c'est ce, qu mmh. ce que... Les haricots, comme je si qui coûte le, euh, ouais. le moins cher aussi. Ce là. qui coûte le moins cher et qui nourrit le mieux. Les qui, qui, haricots, ça c'est pour le Cameroun. Les haricots c'est pour vous. Nous, ça va être le pondou, par voilà. exemple. C'est un légume que, qui est très, euh, très mm -hmm. riche, qu'on va manger avec du poisson, avec, de, mm -hmm. avec de, un peu de viande, quand les moyens le permettent. Mais mm -hmm. tout va tourner autour de la, la nourriture, nourriture ouais. et de, de, de la nourriture de sa famille. Justement, nous avons, on va revenir justement sur les points pratiques. Donc, on a le plaisir, l'honneur d'avoir... Liliane qui était avec nous, qui a justement aussi eu 14, c'était combien 14, 16 voilà, personnes ?– entre 12 et 14 personnes, souvent, voilà. à la maison, et c'est vrai que bah, j'étais quand même une jeune mariée à l'époque. Hein. – Voilà. – Bon, après 3 ans, à 5 ans de mariage, d'avoir autant de personnes à la maison, et souvent des garçons, euh, donc il fallait une, une organisation, parce mm -hmm. qu'à l'époque, bah, euh, la vie était assez plus difficile qu'aujourd'hui, euh, et il fallait pouvoir gérer. Mm -hmm. Comme euh, Maman Janine dit, pouvoir arriver à nourrir ces 14 personnes. Wow. Et quand on n'a pas de grands moyens, il faut savoir s'organiser. Bah, justement. Entre nous, on a parlé. Maman Audrey disait <coughs> que les aînés vont transmettre aux plus jeunes. Ah, bah oui. Alors nous sommes les plus jeunes là. Ah, ben bah, <laughs> bah, moi, quand j'étais justement plus jeune, moi j'ai vraiment le privilège mm -hmm. de d'habiter chez Maman Audrey. Ah ben de nombreuses <laughs> filles que j'ai accueillies, ah. et nombreux jeunes que j'ai accueillis certainement. Voilà. Ah, bah, et donc voilà. Ça a été pour moi euh, bah, la sœur qui m'a euh, bah, enseigné, transmise des, des valeurs qui m'ont mm -hmm. beaucoup aidée hein, dans, dans la constitution de mon foyer euh, au tout début. Comme par et, exemple. Et, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est parce oui. qu'en en fait je n'avais jamais l'habitude de le faire. C'est hein. oui. euh, si un une... bon, a, a quand même plus, plus aisé. Plus aisé. Oui. Aujourd'hui j'avais envie de manger ça. Je pouvais je, 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 je m'acheter ça pour manger. Mm -hmm. Mais là, il fallait gérer parce qu'il ne fallait pas que... Je mange au début du mois et à la fin du mois, je n'ai plus rien à manger. Ah. Donc, il fallait arriver à gérer cela. Mm -hmm. Et ce qu'elle m'avait appris, m'a beaucoup aidé, c'était le fait de faire des, un budget. D'accord. Donc, euh, par rapport à tout ce que je devais faire, que ce soit mes offrandes, mm -hmm, mm -hmm. Euh, que ce soit euh, ma maison. Bien sûr. Et dans le budget Donc, maison, maison, il y ouais. avait le budget pour la nourriture. Ah. Et bien sûr, comme on sait, il y a un bon. mois. Voilà. Et dans un mois, il y a quatre semaines. Il <laughs> y avait quatre enveloppes. Il y avait donc quatre enveloppes. <laughs> donc quatre enveloppes. Donc ce budget qu'on avait, qu'il soit gros ou petit, mm -hmm. il était coupé en quatre. Ah. Et donc chaque semaine, je pouvais organiser avec ce que j'avais, de voir ce que je pouvais me permettre de manger mm -hmm. par rapport à ce qui était en... vendu sur le marché, hein, bien sûr. Euh, selon les prix. Mm -hmm. Eh bien, parce que sinon j'aurais pu manger ce que je veux. Bien sûr, ouais. il fallait manger ce que je pouvais parce qu'il fallait nourrir justement ce petit et, et, monde qui était chez moi. Exactement, et moi je peux ouais. ajouter que quand nous sommes revenus à Île-Maurice, le frère Mickey et moi, mm -hmm. euh, bien sûr que quand on, a, on, on avait très très peu de revenus pour une église qui nous soutenait à cette époque, mm -hmm. et quand on avait mis nos offrandes, on a toujours été fidèles, il n'a jamais été question de boycotter ni les offrandes ni les semences au Seigneur, mm -hmm. mais il nous restait tellement peu. Mm -hmm. Pour la semaine, oui. que ma liste commençait par le lait, mm. le sucre, mm -hmm. le thé, mm -hmm. les pommes de terre, mm -hmm. le pain, mm -hmm. les œufs, et s'il restait du beurre, et s'il restait encore d'autres choses, un demi poulet, bien sûr. Ben, oui. Nous, on a vécu comme ça. C'est pas croire que c'est que les Africains. Nous, on a vécu uh -huh. comme ça uh -huh. et on a. J'arrivais à faire joindre les deux bouts uh -huh. avec ce que j'avais, ben, puisque je pouvais pas me permettre de vivre autrement. C'est ce que j'avais. Ben, justement, revenons aux astuces pratiques. On a, on a entendu J'aime beaucoup en fait euh, l'histoire des quatre enveloppes pour les quatre semaines. Je trouve ça très très clair. Est-ce qu'il y a d'autres astuces justement, Liliane, à transmettre à, à, aux jeunes épouses pour leur faire la un maison. Menu. Donc, faire un menu, s'asseoir, de dire, voilà, avec ce que j'ai, ce que je peux m'acheter, ce que je peux acheter pour mettre dans la marmite, hein, et avec ce menu, ça nous permettra d'éviter les gaspillages, ah. d'éviter de dire, je vais, et de voir ce qui reste dans la maison aussi, avant d'aller faire le menu. Bien ouais. sûr. Hein, et, et, et quand on fait son menu et qu'on achète, mm -hmm. de voir ce qui va périmer le plus vite pour le manger. Euh, en, le premier, rare, en premier. Voilà, voilà. Hein, quand on prend des légumes, on sait mm -hmm. qu'il y a des, des légumes qui peuvent tenir un peu plus longtemps que d'autres. Et puis souvent, de voir ce qu'on a sous la main. Mm -hmm. hein, si on a un carré de jardin, si, tout ce qu'on peut avoir chez nous. Ce qu'on peut planter. Ce qu'on peut planter. Qu planter, planter, euh, planter Il voilà. ne faut Une surtout culture, pas hésiter à faire des choses comme ça. Mm -hmm. hein Mais moi, je crois aussi, Nadej, que je voudrais quand même encourager les frères africains oui. à comprendre que si nous ce... regardent oui, que c'est aussi la responsabilité d'aider la femme, mmh. Mmh. que c'est une culture qui veut que tout tombe sur cette malheureuse femme, mais ce n'est pas le cœur du Seigneur, mmh. Mmh. le cœur du Seigneur, et surtout qu'aujourd'hui beaucoup de femmes travaillent. Mmh. Beaucoup de femmes travaillent. Et ce n'est pas le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est qu'ils mettent eux aussi la main à la pâte. Et que j'encourage ceux qui n'ont pas vu le film War Room. Ah, c'est un oui. film extraordinaire oui. à voir. Où je vois le mari qui revient un soir et finalement son cœur est changé. Et il masse les pieds de sa femme qui a travaillé toute la journée. Ah. C'est quand mm -hmm. même, c'est ça, je crois, le, le, le genre de cœur que le Seigneur veut donner au mari. C'est pas que les femmes ne fassent rien, mais elles ont tellement à faire mm -hmm. que ils puissent mettre la main à la pâte et voir comment aider la femme. Et c'est le plus grand moyen pour eux mmh. de montrer à la femme qu'ils les aiment. Ben justement, est-ce que au niveau des, des, tâches, des tâches ménagères, est-ce qu'il y a encore aussi d'autres peut-être astuces qui peuvent simplifier la vie Peut-être que le mari aussi pourrait s'y mettre, par exemple le repassage. Quand on a fini de traîner le vêtement, je secouais immédiatement je mettais à plat quand tu... enfin, es ah, il es 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 es... es est mouillé. Tu le sors, tu le secoues, J'enlève tous les secou plis. Secou et là, je mets et, sur la et corde. Bon, on attend, je peux mettre tout de suite puisque j'ai tout le reste là. Donc je le mets à plat dans, dans, dans mon panier ou dans quoi. Oui. Je, quand j'ai tout fini, quand je vais les mettre sur la corde à linge, je secoue, je pose correctement, je m'assure que les plis sont bien en place. Je mets les petites pinces sans que ça marque quoi que ce soit afin que quand ce Se soit sec, linge. il voilà. est déjà repassé. Il y a le moins wow. de plis possible. tu vois. Il y a Et le donc... moins de plis possible. ça s'il vraiment quelque chose. Magali, pourquoi tu ris non non, donne mais... <laughs> des idées, Magali. S'il si, <laughs> y a quelque chose qui demande à être repassé, vraiment d'une manière importante, oui, voilà. reste en plus. Mais sinon, pour le trois quarts des vêtements, ben, quand j les t-shirts, par exemple, mm -hmm. les, les slips, je parle des. Comment vous appelez Les sous-vêtements, les, les, les ouais. sous-vêtements. Je les plie proprement. Mm -hmm et je Madame. mets dans la armoire et c'est clair et j'ai évité des heures de passage, passage. j'ai économisé l'électricité et je peux faire autre chose mm -hmm. avec mon temps mais justement, Liliane, est-ce qu'il y a d'autres astuces encore dans ce style Alors, des astuces dans la maison, bah, c'est déjà de mettre tout le monde à contribution. Ah. Hein, quand on habite dans une maison où il y a... Et souvent, c'est vrai, on peut dire, les garçons, ils ne savent pas faire. Mais faut faire attention parce que souvent, les garçons, quand ils s'y mettent, ils sont beaucoup plus organisés que les filles. Ah. C'est bien de faire, bien enfin, de faire passer bien. ce message-là, parce mais que oui. généralement, ce sont les filles en Afrique qui ils sont... Voilà. Euh, Et la la ça ça, je pense Et de... que c'est le rôle de la maman. Mm -hmm. Ouais. Dès le, la, la, le, le, le jeune, jeune âge de ses enfants, de les éduquer, Elle de les appuyer. responsabiliser. Voilà. Mm. Par exemple, le jeune garçon, il doit euh, tirer les poubelles. Par voilà. exemple, la jeune fille, elle peut très bien euh, plier ses vêtements et les ranger dans, dans son armoire. Voilà. Et les responsabiliser, puisque bien souvent, les enfants ne sont pas appelés à être responsables. Euh, C'est les mamans qui les réveillent pour aller à l'école. Mm -hmm. Il faut tout faire pour eux. Ben non, il faut les apprendre dès leur jeune âge. Écoute, si tu vas, si tu dois quitter la maison à 7 heures mm -hmm. et que tu as besoin de manger avant, tu as besoin de t'habiller, ça te prend une heure. Ou une heure et demie, si tu es plus lent, bah, tu te réveilles à 6h30. Mmh. Bah, ou une petite pendule, ou une cloche, ou, mmh. ou la poule, ou je ne sais pas qui va le réveiller. Mmh. Mais responsabiliser les enfants parce que est, les éduquer à faire partie, mmh. à porter le fardeau de mmh. la maison. Ah, mais Est-ce je... que c'est possible sur, dans le concret bah, Parce qu faudrait... que les mentalités sont voilà. très fortes. Il bah, faut que la maman s'y mette. Bah, ouais. Ce qu'il faudrait, ce serait plutôt que le papa s'y mette. Dans le sens où, si le papa. Ça, euh... c'est un point qui est valide. Hein. Si ce, le papa il est d'accord avec la maman pour amener ça aux garçon, parce mmh. que vous savez, il y a quand même un côté très très machiste et ben est ça. Et, euh, qui est assez fort, même si effectivement oui. les hommes quand ils travaillent, effectivement ils le font beaucoup mieux parfois sur certaines tâches que les femmes, mais il faudrait vraiment amener les, les pères ben, à, à sensibiliser leurs enfants pour leur faire comprendre encore une fois le rôle de l'Église. C'est encore une fois, et non seulement le rôle de l'église, mais c'est les pasteurs eux-mêmes qui doivent donner l'exemple. Chez moi, il m'arrive souvent que je suis en train de m'asseoir à faire quelque chose et, et Mickey passe devant, euh, devant l'évier, il voit quelques tasses, il les rince, il les lave, il met là, il n'y a aucun problème. Donc il faut aussi que, que l'église enseigne ces hommes, que la culture dit ça. Mais la parole de Dieu dit autrement. Oui, et qu'il faut vraiment qu'il y ait un cœur et qu'il qu mette la main à la je, oui. je, je regarde le décor et je vois les dames là. C'est toujours un qui transporte tout sur la terre. Elles ont le bébé ouais. sur le dos, elles ont les seaux dans la main. Mais ben non, il faut que les maris s'y mettent. Parce mm -hmm. que c'est ça le cœur du Seigneur. Mm -hmm. Et c'est ça qui va faire la différence entre eux et le reste du village. Tout à fait. Justement, Liliane veut rajouter un ouais, point. Moi, j'ai enfin, beaucoup apprécié à un moment donné où. Euh mes enfants étaient assez jeunes hein, ils étaient à l'école primaire et je devais quitter la maison très tôt plutôt que les enfants et plutôt que mon mari pour aller travailler mm -hmm. mais devoir euh, la participation de mon mari pour euh, préparer les enfants ah. c'est-à-dire pour leur donner leur petit-déjeuner les aider à s'habiller et les emmener à l'école je veux dire cette participation a fait aide. que notre, oui. bah, notre maison a pu rouler. Mmh. Ouais. Donc, c'était une organisation, bien sûr. Moi, je devais m'organiser la veille bien pour sûr. préparer le petit déjeuner, voir ce que. Prévoir est, tout. Voilà, prévoir tout. Les vêtements étaient prêts et mon mari prenait le relais le lendemain. Pour cette C'est une, une bonne astuce, ça, pour la préparation des enfants ah oui. ou même sa propre préparation. Surtout les, les voilà, Surtout quand il y a des enfants, c'est de préparer peut-être le petit déjeuner le, la veille, les vêtements aussi la veille. Je, oui, je, oui. je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a, a d'autres astuces Moi, euh, une autre le... astuce que je, que je, voilà. que je suggérais. Oui. Par exemple, si je cuisais un plat de lentilles. Oui. Et qu'ils n'étaient n'était pas là, il n'avait rien vendu <laughs> à Jacob, c'était bon. Et qu'il restait. Au fait, je rend... tout ce qu'on mettait à table, Liliane, oh oui. disparaissait. Donc, je m'assurais ret... avant de venir à, à mettre de côté une partie des lentilles. Ah. Et le lendemain, j'en faisais une soupe. Voilà. Un potage de lentilles. Oui. C'est la même chose si on, on cuisait du. Vous appelez giromont vous appelez le. Euh... La citrouille. Oui, bon, il y a, a d'autres oui, légumes. A autres autres légumes. On on a fait. Fait. Ça peut oui, oui. Je mettais de côté et ensuite. Je fais une soupe. Bien sûr. La rouille, je ne sais pas si vous avez des rouille en Afrique, mais la oui, rouille, oui, le manioc. Le On manioc, peut utiliser oui. tout ça pour ensuite faire un, un, autre un autre plat. Un autre plat qui ne va pas être aussi consistant, mais qui va participer à compléter un menu équilibré. Ah. Oui, c'est intéressant. Donc, ça. Il faut encore une fois, comme Paul a dit, il faut que nous les femmes, on réfléchisse. Bien sûr. On, on sache faire ces petites choses, mélanger, ajouter des légumes à la viande qui restée la veille, euh, concocter quelque chose de différent, est voilà, Est-ce qu'il y a justement, euh, avant de, avant de terminer, une, une petite astuce sur, sur euh, le nettoyage de la maison, par exemple, parce que ça. Tout mettre sous le tapis. Voilà. <rire> <rire> Alors le nettoyage de la maison, moi, moi je dirais, ben. Euh, la maison, il faut qu'elle soit propre, c'est normal, hein, il faut qu'elle soit accueillante, chaleureuse, sûr, oui. mais on ne peut pas non plus faire de notre maison un musée. Mmh. Ah. C'est-à-dire qu'on va pas, pas. Tout ne doit pas bouger, ça reste. Voilà, place où, euh, parce que c'est une nouvelle journée, il faut que je la nettoie aussi aujourd'hui. Oui. Euh, je la nettoie de fond en comble. Hein, il faut comprendre. Après, en Afrique, tu as d'autres données avec la poussière. Voilà, c'est différent. Elle est pas voilà. tous les jours. Mais bien vrai. sûr, il y a, je pense qu'il faut qu'elle soit hygiéniquement propre. Voilà. Voilà. Oui. Parce que il faut l'hygiène. Du... Qu'on ne soit pas, soit pas une, un endroit où on va tomber malade. Voilà. Hein, donc, euh, donc après, surtout, on n'écoute pas le conseil de Mama Audrey. <laughs> <laughs> je Comme je le fais moi aussi. Hein. Et, et pour le nettoyage de la maison, je crois que les enfants même s'ils sont jeunes peuvent très bien participer ah, à, exactement. à des tâches qu'ils peuvent faire. Exactement. Hein que ce soit le balayage, euh, le dépoussiérage, bon, la vaisselle, après, le rangement, il y a quelqu'un qui a dit c'est mieux de ne pas salir que de nettoyer. C'est-à-dire éviter. Voilà. Et une chose aussi, ah, je oui. voudrais dire une petite astuce oui. euh, qui peut prendre beaucoup de temps, c'est laver la vaisselle. Oui. Ah oui. Alors moi, ce que je, ce que je faisais toujours, euh, je prenais un petit pot, un bol, un, oui. un pot, mm -hmm. je, je chauffais au feu ou peu importe, suffisamment d'eau comme ça oui. que je mets dans le pot et je mets un peu de, de liquide, vaisselle. Oui. liquide vaisselle ou de savon. savon. Oui. Et ça, c'est ma base. Okay. Je mettais, au départ, je, je mettais toutes mes assiettes, j'enlevais je, 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 je tout ce qu'il y avait en plus, ma pile d'assiettes, ma pile de tasses, tout ce qu'il y avait, empilé. Et je commence par les choses les plus délicates comme les tasses. Les verres, et les, les, je, les verres, Je savonne et je mets à côté. Je ne lave pas. Je mm -hmm. savonne, je mets à côté. Je lave les tasses, je mets à côté, j'enlève les soucoupes. Et jusqu'à avant les casseroles. Quand j'ai fini les assiettes, mm -hmm. là où j'ai un, un gros. Une cuve avec de l'eau et je trempe ah, pour le rassage, pour rinçage. Le rinçage ouais. Et ensuite, je mets tout ça à sécher. Moi, je ne séchais jamais mes, euh, rien chez moi avec les torchons. Ah, La nature s'occupe de sécher oui, les choses naturellement. Ça, et ensuite, je prenais des plus grosses casseroles. Mm -hmm. Là, avec. Ce même Le savon, savon oui. et l'eau qui restait, puisqu'il n'y a quand même plus de graisse, Bien et s'il fallait rajouter un petit peu de chaude, voilà. et je faisais ma vaisselle rapidement, mm -hmm. économiquement oui. et pratiquement. Surtout voilà. que Surtout des fois, on a des problèmes d'eau aussi. Oui. Donc quand tu as quatre casseroles, je prends une, deux, trois, une dans l'autre, voilà. on empile les assiettes, et c'était vite fait, et ça aidait énormément, puisqu'on gagne du temps, et ça devient même agréable. Mm. C'est amusant. – Oui, voilà, bien sûr, et on peut mettre les enfants à contribution. – Exactement, voilà. participer, Dans un moment tout, on peut mettre les enfants à contribution. De desservir la table. – Oui, débarrasser. – Débarrasser à la table, donner l'habitude aux enfants, quand ils ont fini de manger, de prendre leur assiette, d'emmener à la cuisine. – Bien sûr. – Ce sont des bonnes habitudes. – Et le mari de aussi vie. qui prend son assiette. Oui, – Et oui, pourquoi pas ?– C'est une culture, encore une fois, il faut que, que l'homme le, africain chrétien arrive à comprendre que ce n'est pas une honte, un que pas des au au ce n'est pas un déshonneur au Seigneur. Qu'est-ce que Jésus aurait fait Voilà. voilà. La même chose. Il aurait fait la même chose, il a lavé le pied de ses disciples. Exactement. Il aurait fait la même chose. Donc, nous, on n'a pas de honte à aider nos femmes, on n'a pas de honte à porter des choses, à partir de la maison, au contraire, c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres, et c'est quelque chose dont on est fier. Tout à fait, tout à fait. Merci en tout cas à Mama Audrey, et on va, on va malheureusement devoir clôturer notre, notre émission, et on va passer au mot de la fin. Ben oui, écoutez, moi je veux encourager justement que les choses changent. On ne va pas continuer à perpétrer toutes les mêmes habitudes tout le temps. Tout Évolue, il faut que nous évoluions nous aussi et qu'on mette à, à participation tous les gens de la maison, qu'on puisse que ça devienne quelque chose d'agréable puisque de vivre, de commencer fatigué, de finir fatigué, d'avoir à, à savoir que lendemain ça, ça, ça peut emmener de la dépression, ça peut emmener du découragement, ça peut enlever notre joie puisque d'être fatigué, c'est pas évident d'être fatigué et d'être continuellement fatigué. Moi je pense que il y a des solutions pratiques qu'on doit adopter pour faciliter notre vie, mais il y a aussi une mentalité qui doit changer. Il faut que la famille joue sa part, oui, Maman Janine, mm -hmm. met son rôle et fait ce qu'il faut pour que la maman soit soulagée, soit aidée au maximum et que toute la famille en profite. Super. Merci en tout cas, Mama Audrey. Merci beaucoup, Liliane, d'avoir fait le déplacement avec nous sur ce plateau. Bien sûr, Mama Janine et Magali. Et bien sûr, merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement sur Malaika, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages et à partager vos, votre témoignage. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bonjour. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaïka, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaïka.